見られたくないだろ、背中の。Eiichiro Oda nous a délivré un message à propos de One Piece en 2020. Dans celui-ci, nous apprenons que Sabo, Vivi et Hancock vont être dans une situation compliquée. Pour Sabo, le chapitre 956 nous le confirme étant donné que d'après le journal, Sabo semble être en difficulté. Pour Vivi, dans ce même chapitre, Garp explique qu'il s'est passé quelque chose après la rêverie qui n'a pas été révélée à propos du royaume d'Alabasta. La réponse de Shiraoshi laisse supposer que Vivi serait impliquée. Pour Hancock, la seule chose que nous savons, c'est qu'elle n'est plus Shichibukai, sachant que cette organisation a été abolie et que Kobe est en charge d'aller la capturer. Pour le moment, rien d'autre ne suggère qu'elle sera en mauvaise posture. Quel sera le nouveau rôle de Boa Hancock et pourquoi Eiichiro Oda a dit que les choses deviendront sinistres pour elle? Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 657 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos d'Hancock, ce qu'il va se passer pour elle après l'abolition des Shichibukai et son nouveau rôle crucial. J'ai créé un TikTok. Trop drôle, Mush. Non, c'est pas une blague. J'ai créé un TikTok pour faire des danses sexy. Non. J'ai créé un TikTok pour raconter des anecdotes en rapport avec les animés. Je pense que c'est la meilleure plateforme pour faire des formats courts en vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas. Ceux qui sont intéressés, mon pseudo c'est Le Vrai Mush. Sans plus attendre, on peut commencer. Après la rêverie à Marie-Joise et un discours des rois d'Alabasta et de Dressrosa, l'ordre des Shichibukai est dissous, ce qui engendre l'abolition immédiate de ce système. La marine peut donc recommencer à chasser ses pirates, et cette information étant divulguée tardivement, ils ont pu élaborer un plan pour tous les capturer en même temps. Nous apprenons que Kobe est chargé de se rendre à Amazon Lily pour capturer Boa Hancock. Dans le chapitre 925, Mihawk dit qu'il se passe quelque chose d'étrange à la rêverie, et on comprend qu'il s'agit de l'abolition des Shichibukai. Il dit ensuite que partir maintenant est probablement la meilleure chose à faire. Cela laisse supposer que les Shichibukai ne pourront plus rester sur leurs îles, sachant qu'ils seront pourchassés, et ainsi, il serait cohérent de penser que Boa Hancock va également quitter son île. Tout d'abord, on va s'intéresser à la confrontation entre Hancock et Kobe. Est-ce qu'il y aura une réelle confrontation, ou est-ce qu'il y aura un accord sachant qu'ils sont tous les deux liés en quelque sorte à Luffy? Luffy, en étant le seul homme, sans compter Rayleigh, à pouvoir venir sur Amazon Lily, car les hommes sont interdits sur cette île, et Luffy, étant un pirate, est donc intrinsèquement ennemi de Kobe, car il est un marine. Cependant, c'est grâce à Luffy que Kobe a pu rejoindre la marine. Il est donc bel et bien possible qu'il y ait un accord entre Hancock et Kobe. Lui et sa division laissent les Kuja tranquilles à la condition qu'elle ne reste pas sur cette île, et ainsi qu'elle soit considérée comme étant en fuite. Peut-être que Hancock et Kobe ne savent pas que Sabo est le frère spirituel de Luffy, et je pense que si quelqu'un devait leur apprendre, il s'agirait de Garp. Il parlerait du fait que Sabo est en mauvaise posture en dévoilant le lien qu'il a avec Luffy, et c'est de cette manière que Hancock et Kobe vont passer cet accord. Ou autrement, peut-être qu'Hancock va tout simplement battre Kobe et être obligé de fuir avec les Kuja, car leur île n'est plus sous protection. Cela pourrait expliquer cette couverture du chapitre 960. C'est lors de la mini-aventure où BJ et son équipage cherchent Lola. Cependant, il se trompe et l'a confondue avec deux femmes. Ces deux femmes ressemblent étrangement à des Kuja d'Amazon Lily. En effet, on dirait Daisy et Cosmos. Et ainsi, Hancock et les Kuja se sont rendus à Dressrosa, car elles ne peuvent plus rester à Amazon Lily. Mais à partir de maintenant, quel sera le rôle de Boa Hancock? Dans le chapitre 956, on peut retenir trois choses, Sabo, Vivi et abolition des Shichibukai. Le fait que ces trois choses soient au même chapitre et que Eiichiro Oda nous a teasé une situation compliquée pour Vivi, Hancock et Sabo m'a fait penser qu'ils pourraient tous les trois être liés. Hancock, en voyant ce qui est arrivé à Sabo, pourrait se rendre à Marie-Joise pour tenter de le sauver. Elle ne veut pas revivre cette période où Luffy a perdu Ace, mais cette fois-ci avec son second frère spirituel, Sabo. À Marineford, même en étant Shichibukai, et donc du côté de la marine, elle a montré qu'elle était clairement du côté de Luffy en arrêtant des pacifistas. Cependant, elle n'est pas allée jusqu'à perdre son rang de Shichibukai, sachant qu'elle doit assurer la sécurité des Kuja. Au chapitre 960, Hancock aurait donc été à Dressrosa, et il se peut qu'elle soit actuellement en chemin pour Marie-Joise. Hancock, Sabo et Vivi sont plus liés que ce qu'on ne le pense. Tout d'abord, Sabo fait partie de l'armée révolutionnaire. Ensuite, Vivi fait partie de la famille Nefertari.
Le royaume d'Alabasta fait partie des 20 royaumes qui ont fondé le gouvernement mondial il y a 800 ans. Cependant, la famille Nefertari a refusé de vivre avec les 19 autres familles à Marijoise, ce qui implique qu'ils sont considérés comme des traîtres par le Gorosei et donc par le gouvernement mondial. En étant considéré comme un ennemi par le gouvernement mondial, on devient en quelque sorte un allié des révolutionnaires. Donc Vivi est indirectement allié aux révolutionnaires. Et enfin, Hancock n'est plus Shichibukai. Sachant que cette organisation avait conclu un accord avec le gouvernement mondial et que ce système a été aboli, elle redevient donc un ennemi du gouvernement mondial et donc une potentielle alliée des révolutionnaires. De plus, elle a déclaré qu'elle déteste le gouvernement mondial et cela est dû à son passé avec les dragons célestes qui les ont torturés et réduits en esclavage ses sœurs et elle, jusqu'à qu'elle soit sauvée par Fisher Tiger. Fisher Tiger qui a aussi libéré Koala, qui fait actuellement partie de l'armée révolutionnaire, et qui ajoute donc un lien supplémentaire entre Hancock et les révolutionnaires. Et ainsi, on a un lien entre Sabo, Vivi et Hancock. Quelle situation compliquée pourrions-nous avoir pour ces trois personnages? Pour Vivi, il semble qu'elle sera clairement en difficulté au vu de la réaction de Shiraoshi après la rêverie, du fait que Garp a dit qu'il y a eu un incident avec le royaume d'Alabasta, et également car Im a été vu examinant une photo d'elle près du trône vacant. Pour Sabo, on a appris qu'il était déjà en grande difficulté, car la réaction de ses proches apprenant la nouvelle prouve que ça a l'air d'être quelque chose de très important. Et pour Hancock, il se pourrait qu'elle soit en difficulté en allant à Marijoise pour sauver Sabo. Elle ferait ça pour aider les révolutionnaires, mais surtout pour aider Luffy qui ne peut pas s'occuper de ça sachant qu'il est à Wano Kuni. Malheureusement, comme prévu, ça tournerait mal pour elle. Peut-être qu'elle se fera capturer, car en effet, il ne faut pas oublier qu'elle a une marque d'esclave des dragons célestes sur son dos. Et ainsi, elle pourrait redevenir esclave des dragons célestes aux côtés de Bartholomew Kuma. Là, on pourrait penser que si ça arrive, c'est comme si elle s'était jetée bêtement dans la gueule du loup. Mais il ne faut pas oublier qu'Hancock est éperdument amoureuse de Luffy et qu'elle ferait absolument tout pour lui. L'ouragan de l'amour est une maladie étrange contractée par les impératrices d'Amazon Lily. Nion a survécu à cette maladie et Hancock a contracté la maladie en étant tombée amoureuse de Luffy. Afin de guérir cette maladie, les impératrices doivent accepter leurs sentiments et suivre la personne qu'elles aiment. Et donc, il ne serait pas du tout incohérent qu'elle aille à Marijoise pour sauver Sabo, même en connaissance du danger présent là-bas. Ainsi, elle sauverait Sabo, ce qui ferait d'elle une alliée à part entière des révolutionnaires, et c'est de cette manière qu'elle se retrouverait en mauvaise posture. Ce serait peut-être un élément déclencheur parmi d'autres pour commencer la guerre finale entre le gouvernement mondial et les révolutionnaires. Le moment idéal pour tenter de sauver Kuma, Hancock, Vivi et plein d'autres personnes persécutées. Mais aussi et surtout, de renverser ce gouvernement mondial rempli d'injustice. À ce moment-là, il est fort possible que Luffy soit présent, et ce sera la dernière ligne droite vers son rêve pour devenir le seigneur des pirates, et donc l'homme le plus libre sur les mers. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, dites-moi ce que vous en pensez, et si vous avez d'autres idées sur le futur d'Hancock, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça serait super intéressant pour moi et pour les autres. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!